Abidjan, on appelait avant la perle des lagunes, avec des sites touristiques très intéressants. On a à la fois la cohabitation avec des quartiers et de grands immeubles, et puis les quartiers précaires où la situation de l'assainissement est très, 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 très déplorable. Nous avons 40% de la population qui est raccordée au réseau d'égouts, donc qui est l'assainissement collectif, et 60% de la population, donc des 5 millions, qui a accès à l'assainissement non collectif. Et le premier des défis qu'on doit relever, c'est qu'on a 2000 km de réseau, et ces 2000 km de réseau d'égouts, aujourd'hui, collectent des eaux qui ne sont pas traitées jusqu'à un niveau secondaire. Donc, pour le moment, les eaux, la plupart des eaux usées sont rejetées en mer et dans la lagune. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que Abidjan a perdu son titre de perle des lagunes. Donc, à côté de ce réseau classique, de ce réseau d'eau usée, on a une grande partie de la population qui utilise l'assainissement non collectif. Et lorsque les fosses sont remplies, il y a des opérateurs qui vidange ses fosses. Dans le temps, c'était non organisé, on vidangeait, on dépotait n'importe où. Mais depuis 2012, le cadre est relativement favorable avec l'adoption d'une politique d'assainissement, avec la mise en place d'un maître d'ouvrage délégué, une structure opérationnelle pour planifier et mettre en œuvre les questions d'assainissement. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Et depuis 2012, on voit une amélioration. L'un des aspects positifs qu'on a eu sur la chaîne d'assainissement ici à Abidjan, c'est d'avoir pu organiser les opérateurs de vidange qui étaient là, qui existaient mais qui travaillaient vraiment de façon informelle. Donc il fallait les réunir, leur permettre de se regrouper en une entité qui est la fédération des opérateurs de vidange, leur apporter des formations et même leur délivrer un agrément pour l'exercice de leurs fonctions. Bon, certificat là, pour avoir ce certificat là, c'est pas facile. Hein. Bon, tu dois avoir le registre de commerce, tu dois créer ton entreprise. Avec tout ça là, bon, on peut te donner un certificat de vidange. Comme ça, on n'a pas d'agrément là. Pour être agréé, pour faire vidange. Voilà, quand tu n'as pas d'agrément, il ne peut pas te vidanger. Cet agrément est important pour savoir qui est acteur de la vidange ou pas. Est-ce que l'activité est menée dans les bonnes conditions ou pas? Donc cet agrément est accompagné des formations que nous faisons auprès des opérateurs de vidange. Il y a un manuel de l'opérateur de vidange qui a été édité à cet effet pour permettre à celui-ci de connaître les pratiques à respecter en matière donc de vidange des fosses septiques. L'assainissement inclusif à l'échelle de la ville consiste à prendre en compte toutes les populations existantes, habitant dans une ville, selon leur capacité d'accès aux services d'assainissement. On peut dire que notre premier partenaire, paradoxalement pour nous, ce sont nos usagers. Parce que si on arrive à bien passer le message à nos usagers, ça va réduire des coûts d'entretien, des coûts de maintenance de nos ouvrages. La coupe n'était pas comme ça. C'est la maison qu'on décidait d'arranger la coupe. Maintenant que le monde a évolué, c'est là qu'on a décidé d'arranger la coupe, mettre ça au propre, ouais, pour le bien-être de la famille, pour notre santé aussi, surtout la santé. Pour obtenir un système d'assainissement inclusif, il faut la volonté politique, il faut de la formation, donc des staffs qualifiés, et bien sûr, il faut des ressources financières. Pour les générations futures, le souhait, c'est que nous puissions avoir une ville qui est totalement assainie à tous les niveaux. Qu'on puisse avoir un assainissement qui soit autonome ou collectif, mais qui permette de desservir l'ensemble de la population et que ces produits d'assainissement
puissent être collectées sur des stations fonctionnelles et réutilisées à l'effet de produire donc de nouveaux emplois et même de réaliser des projets innovants. Et tout ceci pour que Abidjan retrouve son titre, son statut de peuple des lagunes d'ici 10 ans.